Hello les amigos. Départ pour le Ventoux, imminent. Et nous voilà arrivés en Provence au petit matin, après un voyage toute la nuit où on se sera relayé pour éviter les bouchons. Et donc on arrive vers 9h dans la Provence et on est encore un petit peu frais, donc on décide de faire une petite virée à vélo. Ça filmait pas. C'est parti Guitou. C'est parti Guitou. Allez Guitou. Poto Guigui. Les Odax sont dans la place. Yeah. Vous avez la ref? Comment estás? C'est parti les amis! Premier ride en Provence en direction de Simiane-la-Rotonde. 75 km. Magnifico! Maglia rossa della cagnona! Fonseco, in Portofredo! Yes, les amis! Les gorges de Poudrette! Et nous voilà dans la grosse ascension du parcours! 7 km de grimpe pour le plaisir des jambes! Rien que ça! Ça rappelle des petits souvenirs de la Stéphane Gibon, des petites gibonades à 15-20%. Et donc on aura profité d'une bonne nuit de sommeil qui aura fait du bien à tout le monde parce qu'on était quand même bien fatigué la veille. Et en plus on a bien mangé au gîte, c'était vraiment impeccable. On reprend la route du coup le matin, on est le jeudi matin et on est parti pour faire un tour du Ventoux. Bien que ça la fasse nord de l'autre côté, mais je suis même pas certain que de la neige. Hein. Et qu'il faut comme ça là. Il est là le Ventoux. Hein ? On voit de la neige un peu. Il est devant. Ouais. Tout en haut. Gigi Amoroso. Portofredo e Portoghi. La base. Le pèlerinage de tous les cyclistes. El Mont Ventoux. Ça y est, on a récupéré Poto Flo et on part pour 120 km autour du Mont Ventoux par Bédouin et Malocène. Ça change de bazougère et le Ventoux. Voilà, là on est à mi-parcours. Qu'est-ce que c'est magnifique pour ce deuxième jour en Provence. Franchement, que du kiff. C'est le why, les amis, le why. Le why, c'est le pourquoi vous faites du vélo dans les temps difficiles. Trouvez-le au fond de vous. Moi, mon why, c'est ça. Découvrir des régions, rouler entre amis, partager une aventure. C'est voilà, vraiment le bonheur. Bonheur de vivre sa passion pleinement. Voilà. On en prend plein la vue. Et dans les gorges de l'Anesque, vraiment un spectacle époustouflant, une petite route, un faux plat montant qui longe la paroi rocheuse, un délice. Un Odax en perdition. Qu'est-ce que tu fais là, loin de chez toi? C'est pas où parce que j'ai. C'est assez roulant. Ouais, c'est roulant, c'est pas cassant. Mais vous vous rendez compte, franchement, c'est vraiment le paradis du vélo. Quoi. Ah, c'est vraiment une mini route, elle est super bien entretenue, c'est du billard partout. Ah ouais, c'est un truc de ouf. À part les. Sans poteau Guigui. Sans poteau Guigui qui est resté au départ. Il est resté collé au garage. Tant pis. Et c'est parti pour ce troisième jour en Provence et là on décide de faire le challenge local, c'est-à-dire les cinglés du Ventoux.
dans la même journée, effectuer les trois montées du Mont Ventoux par les trois faces différentes. On va commencer par Sceaux, deuxième par Bédouin et ensuite Malocène. Voilà, un gros programme, mais on est prêt et on est super heureux de pouvoir faire ce challenge. Montée par Sceaux, premier kilomètre, relativement facile. Ah ouais, carrément. Il y a plutôt Gigi qui vient claquer une cartouche. On va me dépasser, c'est pour ça. Et dans la montée par Sceaux, on se tire gentiment la bourre avec Poto Gigi. Bon, c'est plus du fun, hein. On sait très bien que l'effort va être compliqué après. Mais bon, là ça monte assez faiblement, donc on en profite pour s'amuser un petit peu. Ah ouais, bah oui, on va forcément les croiser. Et voilà, maintenant on arrive au Chalet Reynard, et c'est là que les difficultés vont se corser. Les pourcentages vont augmenter petit à petit jusqu'au sommet. Et voilà qu'on aperçoit le sommet, enfin magnifique, trônant devant nous. Donc l'effort pourcentage tourne plus à mon avantage, donc je prends un petit peu les devants, mais Gis n'est pas très loin, il reste pas loin dans la roue. Et allez, ça y est, la première arrivée au sommet, ça c'est fait, Poto Gigi qui arrive une ou deux minutes derrière, c'est parfait. Bon, par contre, là où il fait froid, alors on va pas tarder à redescendre. Et on entame la redescente jusqu'au Chalet Reynard pour attendre le reste du groupe. Et c'est là qu'on croisera même nos amis partis un petit peu plus tard pour un autre tour. Ils font pas les cinglés, ils vont faire une autre boucle. Et ça permet de tous se croiser. Donc c'est... Le peloton Audax dans la place pour la seconde ascension depuis Bédouin. Et c'est reparti à Bédouin, on prend le soin de tamponner dans le bar tabac local. On en profite aussi pour se ravitailler un petit peu, un Perrier, un Coca, vous connaissez la chanson. Et on repart direction Bédouin, là les pourcentages sont directement plus difficiles, hein. On sent que Sceaux c'était vraiment la montée la plus facile. Mais on enquille et on a encore les jambes assez fraîches. Par Bédouin, plus que 11 km, pas mal de trafic. Ouais, j'ai pris le devant pour être dans mon rythme. Et dans la montée par Bédouin, autour de entre 11h et 14h, il y a un trafic phénoménal. Des voitures qui doublent à n'en plus pouvoir, des cyclistes à longueur de vue. C'est vraiment incroyable de voir tous ces cyclistes monter à la force de leurs jambes. Bon, certains avec une assistance électrique, mais quand même. Par contre, ce qui me gêne un peu plus, c'est quand même les voitures et les motos qui prennent un peu plus de place sur la chaussée et forcément un petit peu plus dangereux pour nous. Ascension. 3 km. Toujours solo devant. Allez Gis, let's go! Allez! C'est que la deuxième, il en reste qu'une! Et c'est reparti pour la descente par Malocène où il y a encore pas mal de neige, mais ça a bien fondu sur la route. Faut juste faire attention où on met la roue. Mais voilà, dernier effort, dernière grimpette. Et après, c'est terminado pour la journée. En tout cas, les deux premières se sont passées nickel. Maintenant, la troisième, ça va peut-être être un peu plus compliqué. Ah, putain, merde, et sur la descente par Malocène, la fatigue commence à se faire sentir.
Les poteaux Guigui et poteaux Gigi commencent à avoir des crampes bien méchantes. Voilà, ça, ça annonce des grosses difficultés pour la suite. Vas-y, on va y tirer. Et c'est parti pour la troisième ascension, la dernière. Du côté de Malocène, la face nord. Et ça part déjà en échappée. On met la patate. Après une bonne pause déjeuner à Malocène, alors déjeuner autour de 14h-14h30, on repart pour la dernière ascension, Malocène, pas la plus facile au contraire, mais bon, on va finir avec tout ce qu'on a et puis après c'est directement rentré. Je ne vous ai pas eu tous les quatre comme ça là, en fait je me suis surtout eu moi-même. Les amis, oh que c'est dur, la montée par Malocène. Là on enchaîne les kilomètres à 11-12%, très costaud, il fait chaud, c'est pour ça que je m'asperge la tronche d'eau. Allez les amis, c'est mieux de marcher, le cardio montait trop haut, les pentes sont trop raides, je vais dégourdir les jambes. Et voilà, à mon tour d'avoir mon coup de fatigue et après quasiment 4 km à 11-12%, boum, les jambes qui commencent à ne plus pouvoir. Donc je marche un petit peu et la forme revient doucement mais sûrement. Et je décide de m'arrêter au Mont Serein à 4-5 km avant le sommet pour attendre mes compatriotes. Voilà, ça permet de reposer un peu les jambes, de se ravitailler et là j'en ai bien besoin à ce moment-là. 3 km! Coucou! Eh oui! C'est nous les cinglés! Et rejoint par Poteau Flo et Poteau Gigi, on se met en route pour le sommet. Voilà, un rythme plus cool. Et donc on attendra les deux poteaux Guy en haut pour fêter cette arrivée au sommet. Gigi là, c'est quasiment la fin de la journée de fou! Champion du monde! Ah, c'est dur, hein. Allez, Gigi! Allez, plus de 10 mètres! C'est la fin, c'est bon! Il n'y a plus rien à faire! Enfin... Ouais. Trop dur! Et voilà, c'est la fin d'une sacrée journée, d'un sacré challenge. On aura tous vaincu les trois montées pour le sommet du Ventoux. Vraiment une journée exceptionnelle. Moi j'adore grimper, alors c'était vraiment un kiff monumental. Voilà, on a tous pris du plaisir. Bien sûr, il y a eu de la souffrance. Ça fait partie du vélo, mais c'était voilà, incroyable de partager ça tous ensemble. Pour les détails, donc on aura mis à peu près une dizaine d'heures pour remplir l'objectif avec des braquets. En niveau braquet, on avait tous à l'avant un 50-34 si je me trompe pas, et à l'arrière ça allait du 11-28 au 11-34. Moi j'étais en 11-34, je peux vous dire que c'était parfait. Pour moi qui a besoin de mouliner pour être dans mon rythme, c'était parfait. Autrement, on a fait le choix de commencer par Sceaux parce que notre gîte était tout simplement juste à côté de Sceaux, donc c'était plus simple pour l'aller et le retour. Mais je conseille vraiment de terminer par Sceaux parce que c'est la plus facile. Donc je pense qu'en effet, pour tout le monde, c'est plutôt mieux de finir par Sceaux et de commencer plutôt par Bédouin et Malo. Et en bonus, la rentrée sur le plateau d'Albion, protégée par la voiture de Poteau Flo. Voilà, on a pu terminer cette sortie avec des moyennes descentes. Non, je rigole. Non, mais ça faisait du bien de se faire aider pour le retour. Et voilà, c'est terminé pour ce challenge. On profite de notre dernier jour en Provence pour écumer les terrasses provençales et profiter de l'ambiance reposante. Et puis, on s'en retourne dans notre chère Mayenne.
où l'on revient avec des souvenirs plein la tête.